tous. Aujourd'hui, une vidéo qui va concerner Nantergos, parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, de cet installateur un peu évolué pour Arch Linux. J'avais envie de voir, parce que ça fait presque... plus d'un an que je n'en ai pas parlé, ce que devient Nantergos. Donc, j'ai récupéré la dernière réseau en date qui date du 21 février. Comme je veux GNOME, j'ai activé la 3D dans VirtualBox, et j'ai voulu voir où c'en était. Donc, on va lancer ensemble, et vous allez voir le résultat. Voilà. Donc, ça, on va passer en français, ça sera mieux. J'ai pris l'ISO minimal pour justement limiter la tête de téléchargement. Donc, tant que ça charge, je vais vous monter mon fond d'écran. Si vous êtes intéressé, je mettrai le lien dans le descriptif. C'est un fond d'écran que je dois à Jonathan de la taverne de John John. Les liens seront dans le descriptif, comme l'article de blog en question. Donc là, on va passer en plein écran, ça va mieux. Donc là, comme j'enregistre cette vidéo le 21 février et que l'ISO date du 21 février, automatiquement l'installateur CNCHI est complètement à jour. Et il va se lancer. On va lancer la session. Donc, c'est aussi connu aussi son nom de Zeus, THUS, dans la Manjaro. Donc, c'est l'installateur classique. Donc, je vais faire une installation de GNOME. Vous voyez, parfois, il y a des petits artefacts graphiques. Accélération 3D oblige. Donc, voilà, c'est quand même assez complet. Comme vous voyez, on peut mettre Cinnamon. Respect de l'interprétation de Cinnamon par défaut, très bien. GNOME, KDE, Mate, OpenBox et XFCE. Voilà, donc on va rester avec GNOME. Donc vous voyez, on peut installer Flash, LibreOffice, Firefox. Donc je vais essayer de rester assez léger. Je vais juste rajouter. On va mettre LibreOffice ou pas? Moi je vais mettre LibreOffice. Je vais mettre le partage SMB, le pare-feu, les police true type supplémentaires, oui, tant qu'on y est. Et on va prendre AUR. Voilà. Donc il va nous dire, il va passer une gueulante par rapport à l'AUR. Et voilà, bug graphique. On ne peut pas accéder à ça. Donc je suis obligé de désactiver l'accélération 3D et de relancer sans accélération 3D. Bon, ça c'est sûrement un bug lié à VirtualBox. Mais c'est quand même chiant. Surtout pour GNOME qui demande un petit peu de ressources en 3D. Donc on est reparti. Donc on relance l'ensemble. Donc nous revoici sous Nantergos, l'installateur live. Donc on va attendre qu'ils nous disent que c'est OK et on va lancer l'installation. Enfin, l'installateur se lancera tout seul. C'est normal que ça donne une version étant donné que on est le 21 février et que l'ISO date du 21 février. Donc ça on va le réduire et on va passer en plein écran. Donc on recommence. Oups là, il y en a un de trop. Voilà, c'est mieux comme ça. Pas pourquoi se lancer deux fois. Donc on passe en françaisish. Et normalement, je crois que c'est bien désactivé l'accélération 3D. Oui. Nommé. Donc on recommence. On a des LibreOffice. Par défaut, c'est Chromium. Donc je vais laisser quand même Chromium par défaut. Je vais essayer de limiter
Ça j'avais mis 6. Non, trop tard, je l'avais pas mis l'autre fois. Voilà, AUR. Voilà, voilà. Ah, mercredi. Je les active ou pas? Non, je peux désactiver l'activation 3D. Et il ne veut pas se lancer. Oh, la sale bête. Bon. Donc, ce qu'on va faire, on va tuer CNC et le relancer en mode graphique classique. Donc là, PS-1. Donc ça c'est sûrement un bug IA VirtualBox, donc c'est bon. Donc on fait sudo cnc e. Donc je ne sais pas si c'est un bug du jeu d'icône ou autre. Voilà, donc on va relancer cette fois-ci, j'espère que ce sera la bonne. Ça donne envie. Voilà, on va y arriver, cette fois-ci ce sera la bonne. Donc bien sûr, il n'y a pas les icônes classiques, il n'y a pas les icônes Numix. Est-ce que c'est lié à un bug des icônes Numix? Je n'en sais rien. Donc, non, j'avais dit que je ne voulais pas LibreOffice. Je veux le pare-feu simple, le partage SMB, AUR. Non, c'est pas ça que je voulais, c'est AUR. Voilà, donc j'ai mis le stock minimum. Oh, ça s'affiche. Serait-ce un bug lié aux icônes? Donc on dit qu'on veut une partition séparée, voilà, les options, on est parti. Donc là, c'est quand même ennuyeux de devoir lancer l'installateur à la main. Ça pourrait, je ne sais pas si ça s'affiche uniquement dans VirtualBox ou pas, mais si ça s'affiche sur les machines réelles, ça peut faire très mal. Voilà, et on est parti. Ah zut, j'ai fait une faute de frappe dans le mot de passe. Donc là, bien sûr, on a la pub habituelle pour Numix et compagnie. Donc là, nous avons pour une petite dizaine de minutes. Donc si vous accentuez une dizaine de minutes, c'est pas grave, vous aurez l'installation en entier. Et encore, j'ai fait une installation allégée. Je n'ai pas mis LibreOffice, donc ça va diminuer le nombre de paquets à récupérer. C'est quand même bizarre ce problème d'icône qui ne s'affiche pas. Image missing, Advaita, blablabla. Je pense que c'est un problème de jeu d'icône, étant donné qu'il travaille uniquement avec Numix, il ne doit pas tester les autres jeux d'icône. Donc là, on voit ce qui se passe. En dessous, bien sûr. C'est quand même dommage pour le bug au niveau de la préparation du disque dur. Donc il n'y a que 844 paquets et comme j'ai une connexion rapide, si vous ne pouvez pas le voir, c'est télécharge en moyenne entre 2 et 3 mégasecondes, en fonction de la taille des paquets bien sûr. Il y a pas mal de paquets, 32 bits encore, je ne sais pas pour quel logiciel. Oh, pas bien grave. Enfin, j'ai vu un paquet libre 32, donc je ne sais pas à quoi il sert. Les 32 Z libres. Enfin, je n'ai pourtant pas installé Steam, donc je ne comprends pas pourquoi il m'installe des paquets 32 bits. Pour l'article au fur et à mesure, comme vous voyez, l'installation quand même assez rapide, ça change un peu. Parce qu'avant, je pense qu'ils ont dû rajouter quand même le support de vérification des miroirs pour prendre les miroirs les plus rapides et pas le premier miroir alphabétique. Parce que si on avait un miroir qui était pas suffisamment rapide mais qui était avant un miroir plus rapide, on galérait. Oui, déjà presque à 300 paquets. Ça fait même 4 minutes que c'est lancé. Bon, c'est vrai aussi, j'ai une connexion assez rapide, c'est du DSL2 à 30 mégas en descendant, 30 mégabits descendant, donc ça aide un brin.
J'ai pris Gnome parce que c'est l'environnement proposé par défaut avec la version live de l'Antergos. Je peux très bien installer un XFCE, un Cinnamon ou autre, mais j'ai gardé l'environnement préféré d'Antergos. Même si à l'origine, ça s'appelait Synarch et c'était Cinnamon. Ça fait jamais de mal à peu d'historique. Déjà 60% récupéré, c'est assez rapide. Donc en 10 minutes c'est plié. Il suffit d'avoir une bonne réseau, une connexion réseau aussi. Donc Chromium est installé par défaut. Pourquoi pas? Après tout, pourquoi utiliser Firefox, ce logiciel d'une autre époque? C'est tellement has-been la vie privée. C'est vrai, c'est tellement has-been la vie privée. Donc on a bientôt fini. Pardon. Long, mais au moins déjà ça permet de voir l'avancement. Elle charge les paquets et les vérifie. Donc, c'est un petit problème de traduction à ce que j'ai pu voir avant de faire des tests. L'intégrité des écarts, peut-être l'intégrité des paquets ou des sommes de contrôle. Enfin, moi, je ne sais pas pourquoi ils ont mis l'intégrité des écarts. Moi, j'aurais plutôt l'intégrité des sommes de contrôle. Bon. D'ailleurs, écart, pourquoi? Souvent, on a la traduction automatique qui a mal tourné. Ils ont pu mettre quand même d'autres écrans de... plus de 3 écrans d'installation parce que... on tourne très vite en rond. Hein.
installation. Voilà, c'est parti. Il y a 838 paquets installés, donc ça sera assez rapide. Hein. Tout donné que je n'ai pas demandé LibreOffice, ça va réduire quand même un peu le temps d'installation. Il y a beaucoup de petits paquets, ça aide un brin. Déjà presque un quart qui est installé. C'est quand même dommage que j'étais obligé de lancer en ligne de commande l'installateur parce qu'il était incapable de dépasser l'étape du partitionnement. Pourquoi? Est-ce que c'est un bug lié à VirtualBox? Est-ce que c'est un bug lié aux icônes? Est-ce que c'est... Je n'en sais rien. Là, j'avoue que ça me fait poser des questions. Mais il serait étonnant que ce soit un bug lié à VirtualBox. Vu le nombre d'installations graphiques que je fais avec CalamRS et autres, j'ai jamais vu ce genre de bug. Bizarre. Bizarre. Je pensais que c'était lié à l'accélération 3D, mais apparemment non. Bon. Oh, ce sera sûrement un bug qui sera corrigé par la suite. Ou pas. De mon économiseur d'écran, désolé. Normalement, il y a encore pour 3-4 minutes. Désolé pour la longueur d'installation.
pouvoir redémarrer. Une fois qu'il a fini de mettre à jour les pages de manuel. Oui. C'est peut-être l'opération la plus longue qui reste. Quand il veut pour terminer. Terminé, il nous le dira. D'accord. Il mange tout le processus CPU. Désolé pour cette opération qui est un peu longue. Bon, en espérant que 5 minutes est terminée, mais j'ai pas l'impression qu'il est parti en boucle. Ah là, j'ai l'impression qu'il est vraiment parti en cacahuète. De faire souffrir. On va mettre ça sur les aléas du direct. Donc normalement. Donc je vais vous montrer aussi un bug que j'avais vu dans mes tests préliminaires. C'est si on le lance en 3D, l'accélération 3D, normalement, LightDM n'est pas fonctionnel. Voilà, vous n'avez que ce. Vous n'avez que ça, vous ne pouvez rien faire d'autre. Donc, je vais éteindre la machine virtuelle. Dommage quand même ces bugs dans l'accélération graphique. Bon, je veux bien que ce soit VirtualBox, mais on va quand même lancer en mode classique. Et normalement, LightDM devrait se charger. Gueule parce qu'il y a quand même un redémarrage à la sauvage, c'est normal. C'est quand même bizarre que la gestion des générations des fichiers MAN, enfin des pages manuelles, soit partie comme ça cacahuète. Boucle infinie. Bon. Mais c'est pas possible. Ah, c'est voilà.
Vous comprenez pourquoi je considère que la version de l'IDM d'Intergo c'est lourde. Bon, on va charger. Allez, vas-y. Allez, fais pas ton constipé. Voilà. Ah là, ça y est. Ah, on est arrivé. On a fait caca. Non mais c'est vrai, c'est horrible cette lenteur. Si vous comparez à l'IDM classique, qui se charge en quoi? 3 secondes. Donc là, on va voir ce que donne l'Intergos. Voilà, donc c'est ce qui est bien, par contre, ce qui propose la mise à jour automatique des noms, c'est un bon point. Voyons, qu'est-ce qu'il y a dans la Logitech? Il ne doit pas y avoir grand-chose, je pensais. Bon, je n'ai pas installé l'IDM, enfin l'IDM, LibreOffice, mais il n'y a pas grand-chose, regardez. Il n'y a même pas la moitié de la Logitech GNOME. Il y a Brasero qui doit dans le coin, mais sinon, il n'y a pas la moitié de la Logitech GNOME. Moi, je m'excuse, ça fait un peu léger. Hein. Et si on lance un logiciel, vous voyez ces artefacts graphiques? Non, avec un thème classique, on a une espèce de roue qui tourne. Mais je vous remonte, je vais lancer par exemple un fichier. Vous allez voir, vous avez vu cette espèce d'artefact graphique. Bon, je me tairai sur les icônes parce que les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Mais je me demande si ces icônes ne provoquent pas justement des artefacts graphiques. Donc déjà, on va diminuer la taille des icônes d'un cran. Un bug que j'ai constaté, c'est... Ah, mais ça fonctionne cette fois-ci. Parce qu'avant, je n'avais pas les boutons déconnexion. Donc, ça refonctionne. Ouais, super. Je ne sais pas pourquoi, d'autres ne voulaient pas fonctionner. Bon, bref. Donc, on va voir avec GNOME Tweak Tool. Donc, on va voir déjà ça. Donc, déjà, on va mettre le clavier en français. Ce sera quand même mieux. Donc je vais voir, voilà, ajouter, on va supprimer le français. Donc déjà, la Logitech GNOME est encore fournie à moitié, un grand classique d'Intergos. Bon, j'appelle ça plus un GNOME Night qu'autre chose. La taille installée est quand même d'autre pas mal, 4Go 4. Donc si on fait sudo pacman-scc, on descend à 3,5 Go, donc déjà 900 mégas de données qu'on aurait pu virer. Donc là, je vais lancer GNOME Tweak Tool. Paramètres. Ah non, c'est pas ça. On a toujours cet artefact graphique en haut là, vous avez pu voir. Non, c'est pas ça. Et non, c'est pas ça que je voulais faire. Pardon, c'est pas évident parce que je n'ai pas l'habitude des icônes Numix qui ne sont pas franchement parlantes par moment. Donc c'est outil de personnalisation. On voit les gros artefacts graphiques, ne serait-ce que quand GNOME Tweak Tool se lance. Donc là, déjà, on va changer l'apparence. On va mettre thème du shell par défaut. On va tout remettre par défaut. Les icônes, on va mettre Advaita. Voilà. Les extensions, il n'y a que Dash to Dock, donc on ne va pas les toucher. Ah tiens, status menu button. Voilà, donc c'est l'extension qui a été rajoutée. On peut les activer si on en a envie. Dash to Dock, on va les activer pour revenir à une présentation classique de GNOME. Et maintenant, si on lance un logiciel, moi je sais pas comme... Regardez, il n'y a plus d'artefacts graphiques et de trucs très moches. C'est-à-dire que... Donc là c'est vraiment un problème d'artefacts graphiques. Donc je vais essayer de lancer PA Mac. Voilà, un ajout suppression de programme. Donc je vais voir ce qui est en lib 32 parce que vu que j'avais des lib 32 installés, je vais voir si je fais supprimer désinstaller, on va voir ce que. On va essayer d'appliquer. Fermé. Par rapport à l'installateur LibreOffice. Voilà pourquoi on a les Orkin Lib 32, alors qu'on peut très bien installer les LibreOffice directement. C'est dommage qu'ils aient gardé ça. Donc je vais
chercher LibreOffice Installer et le virer. Parce que c'est vraiment dommage d'avoir gardé cet outil qui ne sert pas franchement à grand chose, surtout avec PAMAC qui permet d'installer directement si on fait lib32gclib, lib32gcc, oups. Donc vous voyez quand même, on va récupérer quand même pas loin de 32 maintenant pour les bibliothèques installées en lib32. Donc expat, ça fait déjà ça aussi, désinstaller. 32 glibc, voilà, désinstaller. Bon, je ne sais pas qui est marqué local, je vais désinstaller. Désinstaller, on fait appliquer, valider, 11 paquets de moins. Donc, par rapport à l'installateur LibreOffice qui ne sert plus à grand chose, il faut dire les choses comme elles sont. On peut très bien passer soit à l'installation directement LibreOffice. Donc là, c'est un peu dommage d'avoir gardé cet outil. Donc maintenant, LibreOffice, si on veut l'installer. Voilà. Si on veut la LibreOffice, par exemple, la version 5.1 en français. LibreOffice Fresh FR. Tac, tac. Installer et la dépendance qui sont installées. Voilà. C'est aussi simple que de passer par, même plus simple de passer par l'installateur qui ne sert plus à grand chose au final. C'est d'installer des paquets lib32 pour rien. Enfin, chacun voit midi à sa porte. Vous avez vu quand même, il y a un sacré artefact graphique par rapport à la. L'utilisation de Numix, parce qu'il y a des gros bugs graphiques quand on charge un logiciel. La période d'attente, il y a ce qu'on appelle l'indicateur de chargement est vraiment bogué graphiquement. Dommage. C'est des petits détails comme ça qui peuvent dire c'est quoi cette chose. Pensez que Arch Linux voulait être aussi proche que possible de l'original. Donc si on regarde LibreOffice maintenant, donc notre ami LibreOffice, voilà, donc on peut lancer LibreOffice Writer 5.1. voilà, donc on a le menu style dans LibreOffice Writer, on a le menu ses feuilles dans LibreOffice Calc. Bah, c'est les nouveautés principales, enfin c'est tout graphique, LibreOffice 5.1. Voilà. On va voir aussi par rapport à GNOME Extra, ce qui est installé et ce qui n'est pas. Donc il manque au minimum la moitié des jeux. Pourquoi il marque local? What the fuck? Pardon. Là je vais voir si Yaourt est installé parce que j'ai envie de faire une petite expérience. Bon, Yaourt est installé. Donc on va voir aussi au niveau des paquets, enfin des niveaux des. Bon, je vais mettre l'affichage un peu plus gros. Alors, je vais mettre zoom avant. Voilà. Comme ça vous puissiez avoir l'affichage à peu près potable quand ça sera rendu à ma vie. Donc on va faire less etc. pacman.conf. Je pense que ça va être dégueulasse le résultat. Dans l'un des dépôts, ouais, bien sûr, c'est ok. Entergos, oui, dans le dépôt Entergos. Alors on va faire yaourt-qom. Alors si on désactive le dépôt Entergos. Ça
savoir le nombre de paquets qui sont installés depuis le dépôt en Tergos et qui seront donc marqués comme tiers dans QAM. Donc, yaourt-syy. Donc, je multiplie que ça est activé. Bon, mais c'est pas bien grave. Hein. Alors, QAM. Alors. Bon, tous les paquets, bien sûr, style PAMAC, alors que c'est un paquet qu'on peut trouver sur AUR, chercher erreur. Bien sûr, les outils d'Antergos, le thème Antergos, oui, donc ça c'est bon. Chrome Paper Flash, Dextrudoc, Lightroom. C'est une version qui est un peu obsolète. Enfin, il y a autre moins SYUA. Donc, on va faire recompiler celui-là. Ce que je vais faire, c'est réactiver le dépôt Antergos. Vous voyez déjà, c'est assez. J'ai connu mieux quand même que propreté. Donc, apparemment, on ne trouve pas le paquet GNOME Web, enfin la GTK de Gritter. GTK de Gritter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais vous montrer déjà? Ah oui, pour voir par rapport à un GNOME Extra le nombre de paquets qu'il va installer. Alors, on va voir. Il n'y a que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18. Il y a 18 paquets sur les 94. Il manque 76 paquets et logiciels. Donc on va voir la différence. Pour mémoire, voilà à quoi ressemble le menu activité pour le moment. C'est-à-dire avec l'installation par défaut, il n'y a que 3 lignes. Je pense que quand on va arriver à la fin, on va se trouver avec 4 ou 5 lignes minimum. Donc là, je vais diminuer un peu l'affichage. C'est quand même dommage de ne fournir que la moitié de la Logitech, surtout qu'on y a installation en ligne. Serait manger quoi d'installer la totalité de la Logitech? Ou de préciser, extension, enfin outils complémentaires, ou non outils complémentaires. Ça aurait été pas plus mal derrière que ça. Parce qu'il y a des outils, par exemple, comme, que je dise pas de bêtises. Alors, qu'est-ce qui va être installé, par exemple? Bon, mais les jeux, bien sûr, qui vont être installés. Il y a, qu'est-ce qu'il y a qui va être installé? Par exemple, l'agenda est installé ou pardon, l'agenda est installé, mais il y a des, tous les jeux qui vont être installés. Il y a des outils comme des jeux déjà qui vont être installés, quoi. Evolution qui va être installé aussi, je pense. Je pense pas qu'Evolution, ah, c'est de Evolution doit être installé, autant pour moi. Mais il y a quand même pas mal d'outils qui vont être installés. Alors, Evolution apparemment n'est pas installé parce que je le vois pas dans la liste. Donc, ne serait-ce que Evolution, le logiciel de. De son agenda de complet de GNOME. Donc là, ça va faire quand même pas mal de différence, je pense. Non, c'est vraiment, c'est quand même dommage que l'Antergos, avec son thème Numix, provoque autant d'artefacts graphiques. Ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Je peux parier que si on prend une architecte Linux et qu'on demande l'installation complète avec GNOME plus GNOME Extra, avec un IDM, enfin avec un GDM, parce que c'est GDM normalement le chargeur officiel de GNOME, on doit arriver à quelque chose de beaucoup plus, enfin d'aussi rapide, voire sinon plus. Donc si on veut, j'ai déjà, oups là. Je rêve ou il y a un plantage? Non, apparemment, l'ensemble a planté. Whiz! Le GNOME Shell a planté. Ouais! Et un plantage de GNOME Shell en direct. C'est pas mal. Dommage! Je ne me rappelle pas avoir planté GNOME Shell comme ça dans une machine virtuelle.
maintenant, si on regarde maintenant dans la Logitech, toutes, on arrive quand même à 4 lignes au lieu de 3. Et c'est quand même beaucoup plus complet et beaucoup plus propre. On a tous les jeux de solitaire, on a tous les jeux, on a aussi bien sûr. Quand même, c'est déjà un peu plus complet, un peu plus utilisable. Bon, voilà, je vais éteindre l'ensemble. C'est-à-dire que, comme je l'ai précisé dans l'article, l'intergros, c'est peut-être le meilleur moyen de dire c'est quoi, est-ce que c'est vraiment ça Arch Linux? Alors quel intérêt? Personnellement, si vous voulez une Arch Linux avec un installateur graphique, je vous conseillerais plutôt une barbecue Linux, BBQ Linux, ou si vous préférez quelque chose de plus solidifié, la Manjaro. Allez, salut, à la prochaine !